France-URSS de 1967 et nous allons assister au premier but de la partie marqué par Philippe Gondet. Sur ce centre-tir de Jacky Simon, au deuxième poteau, Philippe Gondet arrive et fusille le portier soviétique qui n'était autre que Lev Yashin. Nous allons revoir cette magnifique action au ralenti. Nous allons voir notamment la magnifique talonnade d'André Guy. Voilà le centre-tir de Jacky Simon. Donc action purement nantaise et Gondet au second poteau permet à la France à ce moment-là de mener par un but à zéro.